Oui, mon petit amour. Oui, tu vas pouvoir manger tes céréales. Ben oui, fais un bisou à papa. Un bisou encore. Voilà. On descend dans le coin. Voilà. On a eu le temps de bien se réveiller. On a fait son petit caca. Donc on peut manger maintenant. Voilà. Tu veux manger? Mange. Mon papa, il a déjà pris son petit déjeuner. Oui. Déjà pris son petit déj. Voilà. Salut toi. Ouais, je dis. Nous, on commence avec un party de Noël, encore une fois, un début de long week-end, hein, puisque ça va être jeudi, vendredi et samedi, tu vois. Ouais, on a envie de faire le party. Donc voilà, oui, aujourd'hui, je me suis bien coiffé, tu vois, parce qu'on commence vraiment la grosse série des parties de Noël. Puis on va être dans tout Montréal, hein, on va tourner un petit peu partout à Montréal. Même dans le Québec, hein, puisqu'on va aller jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Samedi soir, il y a 3 événements en même temps à gérer. Et puis, on n'arrête pas, il y a encore des retardataires qui signent des contrats. Donc, on est très content pour la compagnie, c'est très très bien. Voilà, ça va nous permettre de nous préparer un petit peu pour les vaches maigres. Hein, parce que janvier, février, mars, ben, il ne va pas se passer grand-chose, comme tous les ans. C'est ça le problème d'une compagnie où on travaille avec les saisons, mais au Québec... Il y a énormément de compagnies qui travaillent comme ça saisonnièrement. Ben oui, parce que tu peux pas vendre des descentes de ski quand on est en plein été avec une canicule à 40, tu vois. Et là, en parlant d'hiver, ils vont être gâtés. Oui, on nous dit que l'hiver va être très très long. Puis surtout très très froid. Très très froid janvier, février. Jusqu'à début mars. Moi, je pars du 25 janvier jusqu'au 13 mars. Oh, tu vois ce que je te dis, hein? Tu vois ce que je te dis l'hiver? Enfin bref, ouais, on nous annonce quand même un hiver très très rude, très très long, avec des belles chutes de neige. Enfin bref, le cocktail incroyable quoi. Mais si je me suis bien coiffé aujourd'hui, c'est parce que je reçois des invités dans le petit café. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit souki? Je mange pas là, j'ai rien à te donner. Mais non, j'ai rien à te donner, mon bébé d'amour. C'est des invités spéciaux, oui. Moi, j'ai quand même pas mis la cravate non plus, mais il ne faut pas exagérer. Mais non, parce que vous avez entendu quand même ce qu'on dit sur Macron. Macron, il a dit, je suis déterminé, ça ne changera rien. Ouais. Non, non, on voit bien que les annonces qu'il fait, c'est vraiment pour essayer de dissiper. Il ne veut pas dissoudre hein, les gilets jaunes, il veut juste les diluer. Hein, on va les diluer dans les différentes régions de France pour éviter qu'il y ait ce mouvement national hein, qui vienne jusque là. Hein. Ouais, il va venir. Ah, ouais, tu ne bouges pas. Oui, tu fais comme au théâtre. Fais la statue. Ouais, vilain. Hein, vous avez vu, ne branche pas là. Non, tu serres les poings. Ben, tu peux serrer les poings parce que ça va cogner. Moi, je te le dis. 84% quand même. 84% des Français sont pour les gilets jaunes. Oui, non, non, il ne fallait pas rêver, hein, ce n'était pas pour toi. Toi, tu flirtes plus autour des 20%. Hein. Mais en fait, hein, si vous regardez bien, ça rejoint pas mal les calculs que j'avais fait à l'époque. Mais oui, parce que vous le savez bien avec les élections, quand on dit qu'on est plus de 50% des Français à avoir choisi Macron, c'est pas vrai du tout. Ça n'a jamais été vrai. Dans la 5e République, on n'est pas en démocratie, c'est faux. C'est pour ça que de plus en plus, les Français réclament le référendum. Mais c'est 50% des gens qui sont allés voter. Donc déjà, là, tu peux enlever 2/3 des Français, parce que l'abstention, on n'en parle pas de l'abstention. Mais non, il ne faut surtout pas en parler. Non, on ne la compte pas, l'abstention. Non, les votes blancs non plus, il ne faut pas les compter. Alors, tout ça, c'est... Hein? Non, tu n'as pas été élu avec 50% des Français. Ce n'est pas vrai. Les gens ont bien vu que tu étais... Mais oui, que tu étais un petit problème, petit dictateur que tu es. Tais-toi. Tu te tais. Je ne veux pas t'entendre. T'as le calme, hein? Oui. Non, non, parce que sinon, je vais te mettre une fessée, regarde. Tu l'avais, la fessée? Tu l'avais, la fessée?
Je vous jure. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense que, voilà, il faut surtout rien lâcher. Et samedi, j'espère que ça va chauffer. Non, mais tu peux rien me faire. Moi, je suis au Québec. Oui, je suis français. Bien sûr que je suis français. Et je suis solidaire. Je suis dans les 84%. Oui. Mais moi, au moins, de là où je suis, je vois ça. Et puis, je souffre pour les Français. Hein? Mais à côté de ça, tu te rends compte. Alors après, il faut vérifier les chiffres. J'ai pas eu le temps d'aller les vérifier. Hein, parce que sur Facebook, il y a les fake news et tout et n'importe quoi. Mais il semblerait que le budget alloué à Madame Brigitte Macron a monté de 20% ou un truc comme ça. Il y a une augmentation, quoi. Oui, mais on va où là? On va où? Bon, c'est vrai qu'il y a du travail, hein, il y a du boulot, il y a quand même un ravalement de façade, hein, si on veut la garder, hein, la petite. Mais, non, mais non, je déconne, c'est vrai qu'on ne doit pas jouer sur le physique, on n'a plus le droit de rien dire, on ne peut plus faire d'humour, donc je retire ce que j'ai dit, pas besoin de ravalement de façade pour la planète des singes, on garde les masques tels qu'ils sont, on ne change rien. Voilà, il faut s'assumer, hein, on s'assume. Avant Brigitte Macron, tu vois, moi, là, toutes les théories de Darwin, tu vois, la théorie de l'évolution, j'y croyais vraiment pas, tu vois. Eh bien, depuis Brigitte Macron, j'ai plus aucun doute. Hein. Ben non, mais c'est clair. On descend du singe. Mais même si on a un élément manquant, parce que vous savez qu'il y a un chaînon manquant dans la théorie de l'évolution de Darwin, hein, et voilà quoi, c'est l'ornithorynque. Oui, c'est cet animal avec un bec de canard, avec quatre pattes, avec des poils. Enfin bref, c'est un mélange de tellement de choses que il fout le bordel dans le chaînon de la théorie de l'évolution. Ouais. Et donc, Brigitte Macron est là pour calmer tout le monde. Hein. Ah, tu la regardes, il n'y a aucun doute. Ah non, oui, c'est elle. Oui, c'est elle, le chaînon manquant. Non, je suis méchant, mais oui, je sais, mais vous savez bien que. Mais non, mais moi, c'est parce que je pense que c'est. Hein? Ouais, parce que. Ouais. Non? Mais si, parce que les gens, il faut qu'on rie un petit peu, parce que si on commence à se laisser aller avec des cons pareils, hein? Mais t'as vu ta gueule? Quoi? Oui, beau gosse, ben oui, beau gosse. Ouais. Jackson, tu lui mords pas le cul, hein? Non, quand même pas. C'est le président. Allez, disparaît de là. Oh, je vous jure. Ah, mais c'est vrai. Puis là, alors, l'actualité, je vais essayer de faire 15 minutes aujourd'hui. Hein. Je vous assure que je vais essayer de faire 15 minutes. L'actualité aujourd'hui, c'est on a notre wash time en France. Alors moi, j'avoue là que je suis hyper, hyper déçu parce que pour moi, c'est le réalisateur français. C'est le génie du cinéma français. Il nous a bercé avec Subway, avec Le Grand Bleu, avec Taxi, avec Le Cinquième Élément, avec des films incroyables. Le premier français qui fait qu'on a l'impression d'avoir des gens à la hauteur des réalisateurs américains. Un gars énorme, hein, d'ailleurs, on l'appelle Big Ben. Je parle de Luc Besson. Allez, Luc, viens là. Mais alors, mon Luc, c'est plus Luc Besson qu'on va t'appeler, c'est Luc Beson. Ben non, mais ça y est, là, toutes les filles, elles commencent à y aller. Puis alors, c'est que des mannequins, hein. Ben oui, mais tu nous avais habitués aussi, à chaque fois que tu faisais jouer une actrice, elle était canon, pam, tu te mariais avec. Ouais. Non, non, ils nous avaient habitués à ça. Ben oui. Mais t'as fait des trucs formidables, Nikita, Léon, j'en passe. Ben oui, c'était merveilleux tout ce que tu as fait, mais t'étais pas obligé d'aller leur mettre la main au cul. Regarde ce que c'est. Voilà. C'est pas vrai? Tu nies en bloc. Ouais, mais tu nies en bloc, tu nies en bloc. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des filles, elles vont venir se plaindre d'un truc que t'as fait en 1995. Oui, juste avant le Roi Lion. Oui, je sais. Non, c'est pas toi le Roi Lion, je sais aussi. D'ailleurs, vous avez vu, hein, Walt Disney, ils sont très très forts. Hein. Il y a des recettes qui ont bien marché. Et du coup, ils les ressortent en film, tu vois. Ça sera un petit peu moins dessin animé, là, mais il y a le Roi Lion, il y a Mulan, il y a tout ça qui va ressortir. Ouais. Oui, mais au moins, chez Disney, ils plottent pas le cul de Simba, tu vois, ou de Nala, tu vois. Ils vont pas commencer à. Mais non, mais. Alors, à un moment donné, tu nies en bloc. Hein. Alors, comment on peut.
comment on peut juger un truc pareil, hein? Quand tu es juge, un truc qui remonte à 95, la nana, elle te dit qu'elle est encore sous le choc, hein? Elle est toujours, elle a été, voilà, c'est du harcèlement. Mais alors, l'affaire Weinstein, quand même, a avoué que ça a ouvert des portes, hein? Et pas forcément que pour aller vers le bon, hein? On s'entend bien que ça peut aller vers le mauvais. Et encore une fois, dans le cas dans ton cas, ouais. On se pose la question, est-ce que c'est encore une question d'argent, tu vois? Parce que c'est difficile quand même, hein? La fille, elle te dit qu'elle cherchait du boulot, elle avait perdu son boulot, 22 ans, mannequin. Et puis, bling, elle rencontre Besson. Et là, voilà, ça se passe assez rapidement. Il lui met la main aux fesses, il la colle contre lui. Il l'invite dans son hôtel particulier. Elle arrive là-haut, bing, il est à poil, caché derrière une serviette. Mais pourquoi tu cours pas à ce moment-là? Il faut courir. Non, non. Et là, elle te dit, mais non, mais c'est parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'un travail, besoin d'argent. Alors, il semblerait qu'elle n'a pas signé le contrat. Mais si tu regardes bien, on revient toujours au premier métier du monde où la femme a usé, a utilisé son corps, mais ça remonte à Samson et Dalila, ça remonte à Adam et Ève, hein, elle était à poil quand même, il hein, faut bien le dire, elle nous a bien eu avec sa pomme. Hein, mais ça remonte à la nuit des temps. Hein, la femme a toujours su utiliser son corps hein, quand elle en avait besoin. Hein, et puis des fois, c'était pour sauver la vie d'un enfant, pour sauver sa propre vie, etc. Et là, du coup, vous avez des cons qui vont dire, ben ouais, mais c'est bien fait pour elle. Parce que faut être con quand même pour penser ça. C'est parce que notre cerveau, hein, le cerveau des hommes et des femmes, parce que dans les viols, il n'y a pas que les femmes, hein, il y a des hommes aussi qui sont violés. Oui, Luc, oui. Non, je sais, toi, c'est vraiment les femmes, hein, t'as pas touché au gars. Non, 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 je sais bien. Et là, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? On a des choses qui font qu'il y a un blocage où on va avoir des priorités. Il y aura une hiérarchie de priorités. Et une femme est capable, parce que ça peut lui donner à manger, ça peut nourrir ses enfants, ça peut lui apporter une place dans la vie sociale, elle est capable de faire abstraction de souffrance, elle est capable de faire abstraction d'une douleur psychologique et de passer à l'acte pour protéger son environnement social, son environnement émotionnel, etc. Et donc, voilà, c'est là-dessus que les avocats de la défense jouent à chaque fois pour dire non, 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 elle ne voulait pas. Mais à ce moment-là, elle s'est sentie prise au piège. Et lorsqu'on est prise au piège, eh bien, voilà, tu vas laisser faire quelque chose de difficilement supportable, voire d'insupportable. Pourquoi? Parce que tu te dis, si je fais pas ça, ça peut être pire que ça. Ça peut faire vraiment très, très mal. Ou perdre la vie. Okay? Mais maintenant, lorsqu'on est. Alors, encore une fois, lui, il nie en bloc. Hein, tu nies en bloc, ok. Donc, si lui, il est innocent, comment il va se défendre, lui? Comment il peut se défendre à ce moment-là? Est-ce qu'il va aller sur. Non, c'était consenti. Donc là, du coup, il avoue qu'il y a eu un acte sexuel. Est-ce qu'il y avait. Alors, c'est toujours pareil. Le problème aujourd'hui pour ces gens-là, c'est qu'ils ont un rapport de force. Hein. Il y a un rapport de force qui fait que hiérarchiquement, comme ils sont supérieurs, hein, il y a une histoire de subordination qui fait que voilà, ça part déjà mauvais pour lui, quoi. Hein. Mais est-ce qu'on va avoir comme ça des histoires qui vont remonter? Alors là, il y a une. Hey, non, Jackson, là, j'ai mon capteur. Tu ne mets pas les pattes ici, s'il te plaît. Merci beaucoup. Un bisou. Donc, c'est quand même compliqué, hein, ces histoires-là. Mais moi, encore une fois, tu me déçois. Tu me déçois. Mais ben oui, tu as fait un travail fabuleux dans ta carrière. Enfin voilà, c'était les petits moments d'actualité d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura un bonus? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc tu m'en veux pas. Un bonus, c'est un bonus, c'est une surprise, c'est de temps en temps. C'est pas à chaque coup, ok? Alors tu vas te calmer maintenant. Allez. N'oublie pas de partager ce café, s'il te plaît. Partage, partage. Mets les petits pouces en l'air.
Et puis, si tu as envie de faire un don à la chaîne, merci pour ceux qui m'ont fait des dons. Je n'ai pas été vérifié aujourd'hui, mais merci pour ceux qui me font des dons régulièrement. N'hésite pas, hein, tu vas sur Tipeee ou tu l'envoies par PayPal à multitasman777@gmail.com. Je te souhaite une excellente journée. Nous, on est parti sur les chapeaux de roue, donc ce soir, on va rentrer, il va être 2-3 heures du matin. Peut-être que demain, il n'y aura pas de café, hein, demain, vendredi, je parle. Mais ça ne veut rien dire, hein. Il y aura quand même un café numéro 10. Ben oui, je commence à être accro, moi, à ce petit moment avec toi, ce petit moment où je peux parler un petit peu d'actualité, un petit peu d'autre chose que de bec crochu. Oui, Stan Jackson. Allez, je vous souhaite un excellent week-end si on ne se voit pas d'ici là. Bye. Ben voilà, Jackson. Ben oui, mais ils veulent un bonus. C'est ça le problème. Puis tu l'as vu, il n'était pas fier, hein. Oui, non, mais hein, tu veux le revoir? Ben oui, non, mais c'est entre nous, ça, Jackson. Regarde. Allez, reviens. Ah, tu vois? Regarde. Lui, il s'appelle Macron. Oui, c'est le président de la France. Oui, Jackson, tous les Français, il paraît que tous les Français ont voté pour lui. Moi, il n'en reste plus beaucoup maintenant qu'il y a. Mais oui, mais parce qu'il est arrivé, il a dit, moi, je suis le nouveau monde. On se rend compte que c'est de la connerie. Jackson, oui, Macron, au départ, on pensait qu'il allait être gentil. Hein, qui c'était le premier de la classe, qui couche avec sa prof quand même. Oui. Mais oui, c'est lui, Jackson. C'est bien de lui qu'on parle. Oui, non, ça, il n'y a pas de Weinstein là-dedans, tu comprends? Non, mais parce qu'on est en train de faire des procès pour des Besson et d'autres réalisateurs, mais Brigitte Macron, elle est propre, toute blanche. Ben oui. Ça s'appelle un détournement de mineurs. Aggravé, puisqu'il y avait subordination, c'était son prof. Ce pauvre gamin, regarde ce que ça en fait. Un petit dictateur. Un petit enfant roi. Le petit protégé d'Atali. Ben oui, Jackson, c'est grave ce qui s'est passé quand même. Non, mais on peut dire ce qu'on veut, c'est le bonus. Oui, il n'y a jamais personne qui vient jusque-là, Jackson. Les gens, ça fait longtemps qu'ils ont zappé. Mais oui. D'ailleurs, au moment où tu dis « faites des dents », puis tout le monde coupe. Mais oui, c'est comme ça, Jackson, c'est la vie. Aujourd'hui, on est dans une société comme ça. On ne va pas jusqu'au bout des choses. Hein? Il n'était pas content, hein, ce que tu regardes. Ouais, t'as vu, regarde, il est tellement la main. Hein? Ouais, il fait pas le beau, là. Con. Allez, je vous embrasse très fort. Disparaît. Ciao, à bientôt.